Journée mondiale de l'environnement, Innavantin arrive aujourd'hui. En ligne avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, Climate Madagascar, l'association Factory et la RCOI ont organisé aujourd'hui l'Innavantin arrive, un événement qui s'inscrit dans le cadre du Zero Waste Festival. On a invité plusieurs associations et plusieurs entreprises. On a invité plusieurs associations et plusieurs entreprises sociales et solidaires à venir parler de leurs projets et qui pourront permettre aux habitants de la ville de prendre de l'inspiration et de mettre en place des projets plus durables dans leur quotidien. On est parti du constat que du coup il y avait énormément de projets qui existaient dans la ville et qui existent aussi à Madagascar de manière générale, mais qu'il n'y avait pas encore assez de promotion qui était faite sur ces projets-là en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient mais comment est-ce que je fais pour gérer mes déchets, comment est-ce que je fais si j'ai pas le temps par exemple de faire mon shampoing moi-même. Et en fait les gens n'ont pas suffisamment accès à l'information pour pouvoir trouver des solutions qui leur correspondent. Le Zero Waste Festival se poursuivra à Lizard Gallery à Passanmal le week-end prochain selon les prévisions apportées par Sijakara Zanakut, président de l'association Factory. Cette manifestation vise à rassembler des acteurs du zéro déchet et de la protection environnementale de tous horizons à Madagascar. Son principal objectif est de promouvoir le concept de zéro déchet au niveau du grand public, présenter les alternatives et les solutions disponibles pour un mode de vie zéro déchet, et ce, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement.